Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart Double Dash. Alors, j'ai joué il y a genre des années avec mon cousin, donc c'était assez jeune pour jouer avec ça. Alors, du coup, j'ai décidé de rejouer avec ce jeu-là. Donc, voilà. Donc, c'est un Mario Kart un peu comme jeu, sauf que là, dans le véhicule, on peut jouer avec deux personnages à la fois. Donc, ben voilà, donc tu peux jouer avec Bowser, Donkey Kong et compagnie, ben, comme les autres Mario Kart, quoi. Mais là, il y a deux personnages, un qui conduit et un qui est derrière, quoi. Et j'ai joué il y a très longtemps de ça. Genre, oui, 2023 qui est sorti le jeu. Donc, c'est vraiment le best des jeux, celui-là. Comparé au Mario Kart de maintenant, comme Mario Kart sur téléphone, voilà quoi. Mario Kart sur téléphone, c'est plus pour y jouer, mais sans plus quoi. Donc, eh bien, let's go pour jouer avec ça. Alors, oui, j'ai réussi à faire en sorte de jouer avec la manette Switch avec mon téléphone. Donc voilà. Et c'était super galère hein, pour connecter la manette Switch à mon téléphone. Bah, surtout pour l'émulateur. Parce que l'émulateur, j'en ai chié pour le faire. En fait, l'émulateur ne voulait pas me lire la manette. Il y a même Bowser par contre, bien. Ah oui, il y a la petite boule de feu. Wow. Et le pire, c'est que chacun des personnages ont leur pouvoir. Genre Mario et Luigi, eux, ont leur pouvoir de feu. Yoshi et Birdo, il me semble, si je me souviens très bien, c'est des œufs. Et Bowser, c'est sa carapace. Mais par contre, pour les autres personnages, je ne sais pas du tout. Je me rappelle plus là, par contre, je suis désolé. Vraiment désolé pour le coup, je me rappelle pas pour les autres personnages. Bon, bah du coup, donc ça, j'ai pris le mode CC là pour le moment, le temps que je me rappelle de tout ça. Donc c'est un peu compliqué en vrai, je vais pas vous mentir, mais et quand je rejoue au jeu, ça fait un coup de vieux là. Mais je crois que j'avais une dizaine d'années quand j'ai fait ça en fait. Donc oui, ça fait super vieux. Thank you.
Ah, par contre, ce circuit-là, je fais en une traite sur Wii. Mais alors, un truc de fou, hein. Un truc de fou, je fais une traite. Mais je pense que je vais faire tous les personnages. J'ai bien dit je pense, mais je suis pas sûr encore. Ok, j'ai raté la banane. Oh bah décidément, moi je me tape les bananes et tout ça, moi. Mario est déchaîné derrière. Oui, c'est la place de Peach. Oh, par contre, ce circuit, je kiffe de trop. Yes, je t'ai eu, mec. Ce Mario Kart là sur Switch. Oh, le truc de fou. Vous êtes pas d'accord avec moi, les gars? Enfin, les gens. Ça serait trop bien en vrai qu'ils refassent un petit Mario Kart comme ça sur Switch. Sort un remasterisé. Bah déjà je vais peut-être faire toutes les coupes comme ça en 50 cc. Putain, comment que ça date, ce jeu. Tellement de souvenirs d'un coup qui me reviennent en tête. Yeah.
Ah vache, je m'en doutais que ça allait me la taper la... Le délire. Bon, en vrai, faire un truc comme ça, je flipperais ma race, en vrai. En vrai, de vrai, tenir avec une seule main et un objet, non, je pourrais pas. Wow. Oh, je me suis tapé la tornade, mais par contre, je me souviens pas de ça dans quand j'étais. Enfin, en tout cas, j'étais jeune, donc ouais, forcément. J'ai plus de souvenirs de ça, moi. Mais je pense que je vais faire tous les Mario Kart. Ok, donc ça y est, nous avons déjà terminé. Wow. Oh bah décidément. Et voilà, ça nous fait 40 points. Ah bah donc Yoshi et Birdo vont pas se fouler. Hein. Waouh. Et voici les vainqueurs. Enfin, c'est nous les vainqueurs. Et oui, en plus, on peut aussi mettre... des lettres. Et bien, du coup, voilà. Et bien, du coup, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, ben, moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye!